Bonjour, vous êtes bien à votre analyse pour benjaminvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Eh bien, le CAC 40, cette semaine, vous voyez, nous a fait une semaine baissière. Après un début de semaine où on est venu une nouvelle fois buter sur l'objectif de la semaine qui était situé vers 3871, eh bien, cet objectif a été atteint dès lundi. Et ensuite, mardi, mercredi, c'était plutôt une période de tests. On est resté sous cette zone avec des tests en journée, mais qui n'ont pas été concluants. On a même été rejeté mercredi vers le bas de la fourchette de Andrews. Et vous avez noté dans le briefing du matin de jeudi qu'il faudrait faire attention à un rejet en dehors de cette fourchette. Eh bien, ce rejet a été plutôt violent. Suite, on a eu une ouverture en gap baissier, ouverture qui est venue enfoncer toutes les zones de support proches. C'est-à-dire cette fourchette de Andrews, on a fait une ouverture en dehors, la zone sous les 3800 points qui a été également enfoncée, et puis le nouveau support aux environs des 3730 qui a également été enfoncé. Donc voilà, on est sous tous les supports. Le prochain support fort est situé ici vers les 3600, et la bougie de vendredi nous permet de penser à une prolongation de cette impulsion baissière en direction des 3600. Donc actuellement, pas vraiment de soutien haussier à entrevoir. Au niveau des indicateurs, eh bien, on voit bien ici une nouvelle fois un non-croisement MACD, hein, comme vous avez l'habitude de voir dans les vidéos, chaque fois qu'il y en a un, je vous le montre. Ici, le RSI qui passe en zone d'accélération baissière sous les 40. Donc on est bel et bien devant une impulsion baissière assez forte et qui pourrait rapidement nous amener sur les 3600. Donc voilà, si vous êtes en position, attendez long terme déjà, attendez le retour sur les 3600, voir ce qui se passe. Et si vous n'êtes pas en position, bah, prenez peut-être une position baissière en intraday, ça vous permettra facilement d'obtenir quelque chose avec un objectif sur 3600 qui sera facilement atteignable au vu de la volatilité qui s'engage et de l'ouverture des bandes de Bollinger. Donc voilà, c'était mon avis sur le CAC 40. N'oubliez pas de venir voir les autres avis. Si vous n'êtes pas encore, faites pas encore partie de la personne qui bénéficie de mon aide sur l'investissement, mais n'oubliez pas, on est pour l'instant dans la période de promotion. Merci à tous et à bientôt.